2-0, on l'a échappé. Le match numéro 5, on venait 2-0 en prolongation. Des chances incroyables pour Danick Martel, notamment Jean-Sébastien V en échappé. Et on n'a pas été en mesure de concrétiser la victoire. Et ce soir, ben, il faut rendre à César ce qui est à César. Les Thunderbirds de Springfield n'ont pas volé cette victoire et l'emportent 4-0. Charlie Lindgren qui signe le jeu blanc en levant les bras au ciel. Il aura effectué 34 arrêts dans ce match pour battre son ancienne équipe et permettre aux Thunderbirds d'accéder à la grande finale de la Coupe Calder qui va commencer dimanche à Chicago. Et juste d'amener ton équipe en grande finale, c'est tout un accomplissement pour Charlie Lindgren. Mais le fait de le faire contre son ancienne organisation, puis on sait à quel point ça a été en denti, c'était difficile l'organisation du Canadien. Donc c'est sûr que ça a son petit velours à ce sujet. Mais c'est une équipe très talentueuse, Springfield. C'est une équipe qui s'amenait avec de bons vétérans, du gros talent offensif, des joueurs dont Mathieu Casson qui s'était joint à l'équipe des rangs universitaires. Ouais, il ne faut jamais perdre de vue là, qu'on avait dit en début de série que c'était probablement les Thunderbirds, l'équipe la plus talentueuse qu'on avait vu passer en saison régulière à Laval. De toutes les formations là, qui ont visité le Rocket cette saison. Les Thunderbirds nous avaient impressionnés lors de leur victoire de 5-2 le 7 mars dernier à la Place Belle. Le Rocket aura disputé 15 matchs en séries éliminatoires, on a pris quand même de l'expérience pour les jeunes joueurs. Là. Je pense à un gars comme Caden Primo notamment, là, qui on a vu de toutes les couleurs durant les matchs. Et Raphaël Rubinard, au point de l'expérience et la valeur que ça peut avoir d'avoir eu le début des séries éliminatoires, c'était difficile pour lui ou la difficulté à s'inscrire à la feuille de pointage. Continue de jouer de la bonne façon, avoir un impact positif sur chacun des matchs, mais voulait en amener plus. Et une fois qu'il a marqué justement dans le match numéro 2 de cette série-là, il est parti sur une séquence de 4 matchs de suite avec au moins un but, 5 au total dans ces 4 matchs-là. Donc de trouver une recette, d'être capable de rebondir, de trouver une solution, ça fait partie de l'apprentissage d'un joueur. La première main traditionnelle, là, on va souhaiter bonne chance et se féliciter là, de la bonne série qu'on a eue quand même. Là. On a poussé ça à la limite du 7e match. C'était chaudement disputé. Très robuste. Rappelle-toi le match numéro 1 où Springfield a tenté de s'imposer physiquement. On a tenté de déranger. On frappait tout ce qui bougeait. On allait justement s'en prendre à Caden Bruno, mais le Rocket a répondu. C'est une équipe aussi qui était capable de jouer de cette façon-là. Là, on enterre la hache de guerre, on se félicite